Et la Coupe du Président le 17 mars a été un énorme succès. Nous avons eu quand même près de 200 participants, dont 152 sur le 18 trous et 42 sur le 9 trous. À la soirée, nous avions 170 personnes quand même. Nous avons fait ça au restaurant Les Ombrages, où ça a été vraiment une très belle soirée, bien organisée, tout était impeccable. Pour revenir un peu dans la journée, il faut savoir quand même qu'on avait un sponsoriste, SGDP, là, qui nous avait fait le buffet compagnard là, entre le green du 9 et le départ du 10. Donc quelque chose de très sympa pour tous les participants. Là. Ça faisait une petite coupure sur le parcours. Il faut savoir que c'est la plus grosse compétition au niveau national dans la période où elle a été faite. Merci aussi pour nos prestataires, là, quand même Crio là, qui nous a offert le petit déjeuner. Et le domaine du Bois de Saint-Jean qui nous a offert les vins pendant la soirée. Et il faut noter un gros travail quand même du club et du conseil d'administration aidé des adhérents qui ont quand même fait un gros travail pour que cette soirée soit bien réussie. Sur l'ensemble de la soirée, disons que nous n'avons eu que de bons retours, mais vraiment excellent. C'est une soirée qui s'est un peu prolongée, mais vraiment dans la bonne humeur, dans la convivialité, quelque chose de parfait. C'est l'esprit qu'on tient à développer au golf de Châteaublanc, convivialité et esprit sportif, de manière à ce que va entraîner un peu tous les participants, enfin tous les membres du club, vers quelque chose de sympa, mais en même temps de penser aux résultats. Dans les deux mois là, qui vont venir, nous avons déjà le samedi 7 avril un cocktail de bienvenue là, au club réservé aux nouveaux membres. C'est-à-dire que ceux qui vont arriver sur le compact, qui soient surtout Infinity, hein, ou membres du 9 trous, et qui ne connaissent pas encore bien un peu tous les rouages du club, eh bien la direction du club et l'association sportive organiseront donc un cocktail où on leur parlera aussi bien et du club et de l'association sportive pour leur faire voir un peu comment tout fonctionne à l'intérieur. On a également, parce qu'il faut parler un peu de tout, hein, il n'y a pas que des événements forcément sportifs, il y a également la pêche aux balles, dont tout le profit est uniquement réservé pour l'école de golf, donc c'est très important quand même. Il y a un après-midi soirée pétanque avec un gros succès de 2017 qu'on va renouveler en 2018. On a un séjour en Espagne prévu en début mai où on a déjà plus de 60 participants. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment un club là, qui développe l'esprit amical et sportif. Thank you.